Dentin si ye dengo wasola dentin si le nyama lala ne kamunke melelila ah sajona mo musati si ye musoko wasola musontin si ye nyama lala ne kamunke fantanina ah sajona mo melele melele muloko solomani ni wura sajona mo walemi Je suis arrivée en France en 1989 dans le cadre du regroupement familial. J'étais venue pour suivre mon mari et depuis je suis là. Nous sommes les premières femmes guinéennes à bord. Le 1er mars 1973, il n'y avait pas de notre femme. C'était très dur. C'est vraiment les sourds là, les mêmes les sourds que mon mari sont venus ici, on a pleuré comme il y a quelqu'un qui est mort. Quand on arrivait ici, c'est pas beaucoup d'Africains. La première fois que je viens à Bordeaux, c'est habité à Bordeaux, c'est pas à Pessac. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup d'Africains. On n'a que deux familles africaines là-bas. À côté de vers Gare Saint-Saint. Quand c'est arrivé là-bas avec les enfants, les gens qui nous gardent, il y a un petit garçon qui nous dit « Maman, viens voir de noir !»« Viens voir de noir !» Oui. Et sa maman, elle est tellement gênée. « Dis, rentre-toi, rentre-toi !» Il dit « Non, ça ne me fait rien !» La première femme qui a eu des enfants, première noire qui a eu des enfants, à l'hôpital de Perpignan, Limoges, c'est nous. J'habitais à 40 km de Bordeaux. J'arrive là-bas, je ne trouvais pas de noir, j'étais toute seule à la campagne. Et puis non, ça m'a. C'était un choc. Hein. Depuis qu'on est venu ici, on l'a dit à moi, c'est qu'un an. On dit pas plus. Non, il n'y a pas plus. Quand là, quand il y a notre enfant, il commence à ouvrir la porte. Oh! On l'a dit, oh mon Dieu, je ne veux pas que les enfants là, ils ouvrent la porte pour nous trouver ici. Il faut qu'on rentre en Afrique. On ne veut pas rester ici. Alors, deuxième est venu et ouvre la porte. On a dit, oh mon Dieu, ah mon Dieu, aidez-nous, bon Dieu, aidez-nous. Quand on prie, on dit, bon Dieu, aidez-nous. Il dit, non, on va partir, on ne veut pas rester ici. Chose qui m'a marqué, c'est l'isolement. Parce que moi, quand je suis arrivée en France, mon mari était encore étudiant. Il était étudiant en dehors de Bordeaux. Donc, je suis arrivée avec ma fille qui n'avait même pas un an encore. Donc, mon mari rentrait que les week-ends. Alors, me retrouver enfermée dans la maison, toute seule avec ma fille. Donc, je n'ai pas trouvé ça normal. Je me disais, mais pourquoi on n'a pas, étant donné que chez nous, la porte est ouverte, on a du monde toute la journée, on n'est jamais isolé. Et me retrouver ici toute seule, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je suis venue en France en 90, mais j'ai resté parce que j'habitais à la campagne pendant 10 ans. Et je ne connaissais pas des Guinéens, je ne fréquentais pas d'autres communautés. J'étais toute seule. Voilà. Je suis en France
depuis 1985, le 15 juillet. Quand c'est arrivé ici à Bordeaux, moi, je disais, ben non, ils sont ici, c'est ici en France, mais moi, je préférais à Sénégal. Dakar, c'est plus qu'ici, c'est pas pareil du tout, ici, il n'y a rien. Oh là là, Dakar, c'est joli, c'est bien, mais ici, moi, quand c'est arrivé, j'ai trouvé que l'Afrique, c'est plus bien qu'ici, c'est beaucoup mieux qu'ici. Je disais que, mais il n'y a même pas de belles voitures ici, il y a des belles voitures à Sénégal. Plus qu'ici. Mais un jour, c'est sorti dans les balcons. Donc, on s'est regardé toutes les voitures qui sont garées à Tours. On s'est dit, ah, c'est compris. On s'est dit, pourquoi on ne voit pas qu'il y a de belles voitures ici? Parce que toutes les voitures sont belles. On avait beaucoup de problèmes pour les enfants quand ils sont allés à l'école. Et il y a un directeur italien qui nous convoquait. Il dit, Monsieur Diallo, votre enfant parle trois langues. Parle Olof, parle Pel, parle Français. Et mon mari qui allait là-bas répondit qu'il laisse Français, laisse Olof, parle Pel. C'est ma langue. Parce que notre nourriture, il n'y en avait pas. Il y avait que des manger des Français. Soit tu veux, soit tu ne veux pas. C'est des haricots verts, les choux, le pomme de terre, doré, c'était pas bon. Parce qu'on a l'habitude de bon manger doré. À Abidjan, la Guinée, c'est un bon doré. Mais ici, on appelle ça grain. C'était pas bon du tout. Quand on préparait, on ne mangeait pas. On l'aime, mais on ouais, ne peut pas manger. Une fois, il y a une dame. J'allais faire demande de logement. Il m'a dit, de toutes les façons, Madame Diallo, la nationalité, ça ne se parle de peau. J'ai dit, ça, c'est la vérité. Les papiers qui m'ont censé parler de peau, jusqu'à mon dernier jour. Tu quittes ta famille, toute la famille, tu atterris ici. On rêvait tellement la France. Tu arrives ici, tu trouves que ce n'est pas ça. Muloko Solomani ni ura sagiona mo wale mi kona imame leita la me sagiona mo nyak se sigilo lo ta la me sagiona mo kunsi dalen funi ura sagiona mo wale mi. On s'est mis en association, on a pris les papiers pour nous en tant qu'association en 2005. Sinon, on était depuis 20 ans maintenant, on était un groupe de femmes qui étaient indépendantes, mais qui étaient couvertes par l'association des Guinéens. À un moment, on a vu que la structure ne fonctionnait plus, c'est-à-dire l'association des Guinéens était... C'est l'association-là qui nous couvrait. Comme on était déjà dynamique, on faisait beaucoup d'activités, et pour pouvoir prendre des assurances pour qu'on puisse être couverte, il fallait se mettre en association. Quand c'est arrivé ici, j'ai trouvé mon mari avec les associations des Sénégalais. Et donc, quand c'est arrivé, moi aussi, c'est rentré directement dans les associations des Sénégalais. Il y en avait des associations de Guinéens, mais on voit toujours quand ils ont organisé quelque chose, on présente, mais on n'a pas été membre de l'association. Et après, c'est Djéné Koulibaly et il y a certains qui s'appellent Mama Samba qui étaient là et Diallo Lamarana. Et Diallo Malado qui était tapé la porte à porte, toutes les femmes de l'Ossing guinéen. Inati Association de Guinée, il faut faire des gens qui sont seda. Kono minatu de ka biro wo ko jene o nadi lang e biro yidi convaincre les autres pour y participer avec nous. Il faut aller taper porte à porte qu'on avait fait. On a fait ça jusqu'à ce qu'ils sont d'accord. Mais depuis 98, c'est venu à Bordeaux. J'ai rencontré l'association. Les jours qu'ils sont venus nous voir, mon mari a dit non. Mes femmes ne rentrent pas là-dedans.
parce qu'on va faire des histoires. Ce n'est pas des histoires. Il y en a qui sont dit non, papi, ne fais pas ça. Binta dit non, on ne fait pas de bagarre. Ma mari l'a dit non, on va faire de bagarre. Les autres dit non. J'ai dit à ma mari, bon, laisse tomber, on va commencer, on va essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ben, on sort. On a tout fait pour que cette association marche. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux, de sortir, de rencontrer d'autres femmes. Voilà, et ça m'a apporté beaucoup. Oui, oui, niveau moral, physique et du tout. Parce que la famille guinéenne, les femmes guinéennes, on a rencontré, on restait ensemble, rigolé, faire tous les procès, qu'on fait des procès de faire quelque chose, même si on ne fait pas, on a fait des procès. Avec plaisir. Entre femmes, on se comprend super bien, tout à fait, ça nous permet de discuter de d'autres choses, de se revoir et de parler de la famille. Donc même si on a des petits soucis, quand on les rencontre, on parle entre nous, on rigole. Donc on fait notre réunion. Tous les soucis qui, dans notre tête, on oublie cette source-là. Parce qu'ici en France, ce n'est pas facile. Avant, je me suis isolé. Mais à l'association, mais il n'y a pas d'association. Je permettais de me faire une fois à moins par mois. Mais il y a des gens qui ont été. Si on est du même ama mais à la commune du Manotakon, mais après c'est bien passé. Notre association nous aide beaucoup à lutter contre l'isolement, parce que bon, nous tous ici, on a fait des enfants. Nos enfants sont devenus grands aujourd'hui et les enfants sont presque tous partis. Donc on se retrouve soit avec le mari. Ou toutes seules, ceux qui n'ont pas leur mari à côté. Donc ça nous pèse beaucoup. Ça pèse beaucoup et d'où l'importance de notre association de se retrouver et d'être ensemble, d'être vraiment épanouis, d'oublier l'isolement là.